Le syndicat autonome apporte son soutien aux collègues sapeurs-pompiers volontaires qui donnent de leur temps dans les casernes. Sans eux, la population n'aurait pas eu ce service de qualité de protection. Nous vivons avec du volontariat. Nous demandons une reconnaissance de la légalité. Nous demandons d'être reçus par Mme Dindard, qui est présidente du droit du conseil d'administration, pour qu'elle puisse enfin prendre en charge ce dossier. Nous étions pendant 2 ans malmenés administrativement par le SDIS. Vous avez entendu dans la presse, nous avons été au tribunal administratif sur des histoires de mise à pied. C'était le désordre total. On a perdu 29 postes d'intégration alors qu'on avait la possibilité de les prendre. Nous demandons réparation. Il faut que les choses s'arrêtent. Ces gens-là ne cotisent aucune caisse de retraite. Ils vont manger des cailloux à la retraite. C'est inadmissible d'utiliser du personnel. On les appelle volontaires, ce n'est pas des volontaires. C'est des travailleurs noirs qui sont sur des gardes fixes en caserne. Sans eux, on ne peut pas fonctionner. On demande simplement une réparation des choses. Dans la légalité, sans faire pitié. Bravo!